Ok, merci, merci. Allez, on y va. Avantage, c'est scalable. Ça veut dire que, vous voyez, les formations justement en présentiel, bah, vous pouvez accueillir 8 personnes maximum. D'accord? Quand vous faites du coaching en 1 à 1, quand vous faites du freelance, vous faites avec une entreprise, vous échangez votre temps contre de l'argent. Là, quand vous faites une formation en ligne, c'est comme le principe de ce webinaire, c'est que vous soyez 100 ou 1000 ou 10 000, bon, ça change pas grand-chose, quoi. Ça change parce que ça coûterait beaucoup plus cher pour moi et pour eux, ce serait galère d'accueillir 10 000 personnes, mais vous voyez l'idée. Okay? Donc, je peux parler à 100 personnes, à 1000 personnes, c'est pareil. Et bien, une formation en ligne, que vous la vendiez à 10 personnes ou à 1000 personnes, ça ne vous coûte pas 100 fois plus d'efforts. Et ça, c'est important. Si vous vendez votre journée de freelance à 300 euros ou à 400 euros et que vous avez 2 clients, bah, il faut 2 jours pour avoir 800 euros, pour avoir voilà, les 2 clients. Là, vous faites une formation, vous pouvez avoir 2 clients pendant que vous dormez et eux regardent les vidéos. Et vous n'avez rien à faire. Donc, c'est scalable. Et ça, c'est très important. C'est un mot qu'on est en train de franciser. C'est un mot anglais à la base. C'est passif. Donc, c'est cette idée que je vous. C'est cette idée que bah, pendant que vous êtes en vacances, le soir, quand vous voulez, en fait, il y a des gens qui peuvent acheter et ils n'ont pas besoin de votre présence. Et votre formation, elle est disponible tout le temps. Évidemment, il faut l'actualiser de temps en temps. Et on va voir que plus votre formation coûte cher, plus vous offrez un service de qualité, plus il va falloir être présent en termes de support client et offrir du coaching en groupe, comme je le fais. Mais vous voyez l'idée, hein, si vous vendez une formation à 27 euros, à moins de régler des problèmes, genre la formation ne marche pas, n'offrez pas de support client, hein, pas à 27 euros, c'est impossible. Vous ne pouvez pas passer 1 heure, 2 heures par client pour 27 euros. Votre business, il ne peut pas tourner. Et si vous voulez, l'image que moi j'ai de la formation en ligne, c'est les livres. Ce qu'est le livre pour le 20e siècle, si vous voulez, bah, c'est les formations en ligne pour le 21e siècle. Ça, là, ça coûte 15 euros, mais c'est une valeur de 100, 200, 300 euros. Et d'ailleurs, les premiers livres, en parité de pouvoir d'achat, il y a 2 siècles, acheter un livre, c'était comme acheter une maison ou comme acheter une voiture. Okay? C'est comme si aujourd'hui, vous payez 10 000 euros parce que ça coûtait extrêmement cher et il y avait seulement une élite qui avait droit à ça. Et ben, les formations en ligne, c'est un peu ça. Et très rapidement, les prix vont baisser. Et c'est pour ça que c'est une opportunité d'y aller maintenant. Okay? Donc, c'est le même concept que le livre, c'est passif. Hein. Moi, mon livre, le guide du blogueur, je n'ai pas besoin de le vendre, d'être à ma porte et de vendre les livres. Hein. Vous comprenez bien que c'est totalement automatisé. C'est épanouissant pour vous parce que si vous avez une passion et que vous la communiquez, moi, je ne sais pas vous, mais moi, à l'école, j'aimais énormément aider mes camarades et je me sentais bien de les aider. Et bien là, c'est la même chose. Non seulement vous vous sentez bien, mais c'est surtout épanouissant de savoir que d'autres personnes ont une aide qu'ils n'auraient pas. Pas eu autrement, ou qu'ils auraient eu à travers l'expérience de d'années et d'années et d'années d'expérience. Voilà, il aurait fallu des années d'expérience pour acquérir une information que vous pouvez délivrer en une formation rapide. Et puis, sinon, il y a aussi le fait qu'ils peuvent avoir cette formation comme moi, par exemple. Vous pouvez prendre une semaine de travail avec moi et me booker pour toute une semaine, mais ça va vous coûter des milliers d'euros. Acheter une formation en ligne à 500 euros va vous permettre d'avoir à peu près la même chose, quand même pas, mais vous voyez l'idée. Donc, pour beaucoup moins cher, vous pouvez avoir accès à une information. Donc, il y a des gens qui sont à l'autre bout du monde, qui ont des faibles revenus, qui habitent à la campagne, qui ne peuvent pas prendre la voiture ou qui travaillent le soir et le week-end, qui travaillent la journée et qui n'ont que le temps le soir et le week-end. Bah, pour eux, c'est important qu'il y ait cette possibilité de se former. Quand ils veulent, où ils veulent, depuis l'ordinateur. C'est peu coûteux, ça je vous en ai parlé encore. Alors moi j'ai une caméra, bon je l'ai rangée, c'est bien pour une fois que je range mes choses, mais moi je faisais mes premières formations avec le smartphone. Là j'ai une webcam, je pourrais faire une formation avec cette webcam. Vous voyez, là la lumière, j'ai une lampe, là j'ai une lumière, mais je ne suis même pas obligé d'utiliser une lumière si j'ai la lumière du jour. Puis un ordinateur, on a presque tout, c'est un ordinateur. Donc, en réalité, avec 0 euros, on peut commencer déjà parce qu'on est déjà équipé de toute façon. C'est sans risque. C'est-à-dire que, y a le format, vous passez 2 mois à trimer et à faire une grosse formation et la mettre sur le marché et il y a des gens qui ne l'achètent pas et puis là, vous aurez perdu 2 mois.
Et encore, c'est juste du temps et pas de l'argent, hein. Mais vous pouvez très bien aussi, comme le font beaucoup de personnes, comme moi je l'ai fait, c'est vendre une formation avant même de l'avoir créée. Ça, c'est puissant. Et en réalité, c'est complètement évident. Quand vous commandez un billet à la SNCF 2 semaines avant, 2 mois avant, un billet d'avion 5 mois avant, ce n'est pas choquant. D'accord? Vous réservez votre billet. Ben, les gens, ils réservent l'accès à votre formation. Donc, surtout, ne pensez pas que c'est pas éthique de vendre un truc que vous n'avez pas créé. Non. L'important, c'est qu'à la fin, vous allez délivrer ce que vous avez promis. Ça, c'est l'essentiel. Ça fonctionne chez moi. Ok, il y en a qui ont des problèmes. Voilà. Je suis vraiment désolé, hein. Je suis tout seul. Je ne vais pas pouvoir vous aider en même temps. Sachez qu'il y aura un replay. C'est la valeur élevée, la valeur perçue. Et ça rejoint un peu les points que j'ai dit tout à l'heure pour terminer cette partie. C'est que vous allez dédier 3 heures, mais de l'autre côté, quelqu'un va pouvoir en tirer une valeur énorme. Donc, vous, ça peut vous prendre 3 heures ou une journée de formation. De l'autre côté, ça peut valoir des milliers d'euros. Ça peut aider des gens à perdre du poids, à gagner de l'argent, à économiser de l'argent, à sauver leur mariage. Okay? La valeur, elle est vraiment élevée. Je ne dis pas que un stylo, ce n'est pas important. Bon, c'est important. Mais faire une formation en ligne, vendre une formation en ligne avec du contenu qui aide les gens, ça va vraiment apporter une valeur qui n'a pas de prix. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Vous allez voir, ça n'a pas de prix. Ok, parfois. Alors, le public, c'est très simple. Si vous êtes débutant, c'est parfait parce que vous allez commencer. C'est parfait dans le sens où c'est pour vous, d'accord? Vous allez commencer à créer votre contenu en ligne, avoir une communauté et puis vous allez pouvoir vendre ça. Si vous êtes expert, c'est encore mieux en réalité. Si vous avez déjà une expertise, vous êtes consultant, vous êtes freelance, bien, il suffit d'utiliser toute cette connaissance, de créer une formation en ligne et de la vendre au même client parfois. Ok? Et je vais vous raconter un peu mon arrière-plan. Si vous avez des questions jusque-là, dites-le moi. Alors, mon arrière-plan. Ma première formation, je l'ai vendue en 2011 et je suis très content d'avoir pu retrouver ces données-là. Je vais vous montrer. Alors, j'ai caché les noms. La première personne qui a acheté ma formation, c'est un Michael. À 9,50 €. C'était une promotion à l'époque. Vive de son blog, je me souviens plus. Ça devait être une série de 10 vidéos. Voilà. Et puis, ça, c'était quoi? C'était en novembre. 2 semaines plus tard, une Florence me souhaite joyeux anniversaire et m'achète ma formation. J'ai dû envoyer un email. Voilà, c'est mon anniversaire. Je vous fais un prix promotionnel. C'était génial. Okay. Alors là, ça ne fait pas de gros montants, mais en même temps, c'était il y a 7 ans quand même. Et là, Rachel, pour 17 € m'achète la formation au vrai prix, j'imagine. Oh là là, 17 €. Bon, j'étais débutant en même temps, c'est normal que je ne vendais pas ça cher. Et puis Christelle, il y en a une autre, Marie-Thérèse qui l'achète aussi à 10 €. Alors non, celui-là, j'ai grave kiffé. 1er janvier à 4 h du mat, en fait. Donc, c'était le réveillon. Et puis, j'étais à une fête. Et durant la fête, à 4 h, je reçois une notification. C'était le grand kiff. C'était vraiment le grand kiff. Ici, il y a eu une promotion. Je ne sais pas pourquoi le prix. Et puis, Christelle l'a acheté au prix fort. Mais à mon avis, voilà, Christelle, je suis sûr que tu regardes ce replay de toute façon ou si tu es peut-être là. C'était une version plus avancée, j'imagine. Voilà, donc ça, c'était mes débuts. Assez timide, mais je peux vous dire que cette sensation de pouvoir vendre quelque chose alors que toute votre vie, on vous a mis dans le crâne qu'il fallait être salarié, mettre au boulot au dodo, de vous-même être en capacité d'offrir un produit, ça, c'est un sentiment juste énorme. Alors, on m'a posé une question, c'est mon outil de mind mapping, c'est mindnode.com. Alors, le son, il est mauvais pour les autres aussi, dites-le-moi là, il y a Ren qui me dit qu'il n'est pas bon. Oui, alors FTT, il faut que tu copies le lien et que tu le colles sur Safari, sur l'iPhone. Safari, j'ai le même problème que toi, il faut que tu ailles sur Safari. Ok, le son, il est bon pour
Tout le monde. Rien ne regarde si c'est ta connexion. Et puis après, bon, c'est les mystères d'informatique. Alors, qu'est-ce qui a fait que toutes ces dernières années, je n'ai pas lancé de formation et que j'ai fait du freelance et que j'ai été salarié et que je n'ai pas continué sur cette voie et qu'aujourd'hui, j'aurais pu être beaucoup plus riche que c'est le cas actuellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Deux principales causes. La paresse, tout simplement la paresse. La paresse, de se dire, j'écris des articles, c'est bien, et puis voilà, faut pas trop que je me fatigue. Et puis voilà, cette incompréhension par rapport à l'entrepreneuriat, et puis cette absence de vouloir se dépasser aussi. Parce que quand on est salarié, on a cette mentalité de, voilà, très franchement, quoi, je ne sais pas vous, mais on fait le minimum, il est 17 h et puis on touche son salaire. À l'école, c'est encore pire. Donc, je pense que j'ai une grande mentalité de paresse. Et puis une croyance limitante. À mes débuts, il y avait des marketeurs qui lançaient des grosses formations assez chères avec des promesses folkloriques. Ça a créé une mauvaise réputation auprès d'eux. Et puis moi, j'ai eu un peu peur et je me suis dit, je ne veux pas qu'on m'assimile à eux. Et puis ouais, c'est peut-être pas bien de vendre des formations. Mais c'était des croyances limitantes. Il y avait une partie de vrai, mais en réalité, c'était des peurs et c'était le syndrome de l'imposteur. Tout ça. Okay, c'est des choses que j'ai vécues aussi. Donc ça a fait que j'ai jamais continué, même si moi-même j'étais client de formation en ligne. Et aussi la réalité, je vais l'ajouter ici, c'est que j'étais moyennement compétent. J'étais suffisamment compétent pour faire des formations à 50, 100 euros et j'aurais pu continuer et j'aurais dû continuer. Mais je n'étais pas compétent pour faire des grosses formations. Et aujourd'hui, je le suis et je le suis devenu à force de travail, de travail, de travail. Donc, si parmi vous, il y en a qui se disent, oh, mais je suis pas très bon, il y en a qui sont meilleurs que vous, mais en même temps, ceux qui sont meilleurs que vous, ils ont passé 6 000 heures dessus. Vous avez passé 3 heures à assister à un webinaire, à regarder quelques emails, quelques vidéos YouTube. C'est normal que vous ne soyez pas au même niveau. Donc, ne vous sentez surtout pas découragé. Sachez que si vous êtes peu compétent sur une thématique que vous appréciez, eh ben, prenez le temps de progresser petit à petit. Et le déclic qui s'est joué là. Je vous parlais de mon client Yann Darwin. Ça s'est vraiment super bien passé. Pendant 8 mois, c'était génial. Un contrat en freelance, je travaillais 2, 3 jours par semaine pour lui. Sauf qu'il a rejoint une holding et cette holding avait une community manager. Et du coup, au lieu de faire appel à un sous-traitant, comme moi, qui coûtait plus cher, il a utilisé cette community manager qui était déjà dans le groupe, chose qui est compréhensible. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans contrat. Perte de revenus qui était, c'était des milliers d'euros, hein, je ne vous dis pas combien me payer, mais c'était des milliers d'euros. Donc, concrètement, à partir du moment où il m'a appelé et on s'est dit les choses, il m'a dit, voilà, il faut que tu formes la prochaine et puis après on arrête, très gentiment, hein, mais il m'a dit ça. Du coup, une semaine de formation où j'ai formé l'autre et puis après, c'était terminé. Et du coup, je me suis dit, mais mince quoi, Lingen, comment tu fais? Alors, j'avais prévu un peu le coup parce que j'ai déjà vécu ce genre d'expérience. J'ai des amis qui m'accompagnent et un ami m'avait dit, prépare tes arrières, fais attention, ok? Voilà, tu es en freelance, tu n'es pas en CDI. Du coup, j'avais acheté une formation pour apprendre à faire des formations et juste la semaine après, j'ai lancé ma formation. Alors, j'ai lancé plusieurs formations. Je vous fais, je rentre pas dans les détails. Cet été, j'ai vendu 3 formations. Une sur la marque personnelle et 2 sessions de partir de rien. Donc, une quarantaine de personnes avec un chiffre d'affaires de plus de 10 000 euros. Et je peux vous dire que si je n'avais pas eu les formations en ligne, ça aurait été très compliqué. Maintenant, en vous disant ça, sachez que j'ai jamais autant bossé. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai bossé beaucoup plus dur pour gagner ces 10 000 euros que quand je bossais avec mon client. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Mais en même temps, c'était passionnant. Les relations qu'on a créées avec des clients qui sont là au webinaire, l'aide que j'ai pu apporter, les transformations que j'ai pu observer, c'était vraiment génial. Et maintenant que j'ai mes formations de prête, donc, pour cette session qui est en cours là, durant le mois d'octobre, j'ai plus besoin d'enregistrer les vidéos. J'ai juste besoin de faire le support et le coaching en groupe. Et c'est juste tellement agréable.
Parce que la première session, je bossais 20h, 30h pour tourner les vidéos. Là, maintenant, peut-être 1 heure par jour me suffit pour suivre la formation. Et le reste du temps, les gens, ils regardent mes vidéos. Et c'est presque bizarre pour moi de me dire, mince, les gens, ils ont payé et puis je ne travaille pas et je gagne de l'argent. Et ça, en fait, c'est vraiment une croyance limitante et quelque chose qu'on n'a pas compris et que moi, je suis en train d'expérimenter encore. L'important, c'est la valeur que vous apportez à vos clients. Donc, ils ont acheté, ils regardent les vidéos, je leur offre le support client et le coaching en groupe pendant 5 semaines. Ils sont contents, je suis content, tout le monde est content. S'ils ne sont pas contents, il y a 30 jours de garantie satisfaction remboursée. C'est la belle vie, n'est-ce pas? C'est la belle vie. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi facile que ça, mais je veux juste que vous compreniez la théorie et sachez que ça, c'est mon expérience. Il y en a qui gagnent des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Moi, je suis rien du tout comparé à certaines personnes. Et ce savoir-là, je veux vous l'apporter durant ce webinaire. Okay? Donc, j'espère que vous êtes aussi excités que moi, voire plus. Le fameux Yann me dit Clément. Alors, où on va à partir de là? Ben, on va faire la grosse partie, hein, c'est l'anatomie d'une formation en ligne. Ok, c'est quoi une formation en ligne? Là, on rentre dans le détail. Ok, on dissèque, on ouvre et je vous montre tous les organes. Bon, j'espère que ce n'est pas trop crade comme exemple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, j'ai un œil dessus. D'accord? Donc, je vois qu'il y a des. Ah, il y a Alain aussi. Bah, c'est cool de voir que. Voilà. Répondre à des besoins. Une formation en ligne, ça marche que si on répond à des besoins. D'accord? L'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Donc, il va falloir observer les problèmes qu'il y a dans la société ou dans la communauté. Vous voyez, dans votre communauté, je vois que certains parmi vous ont déjà des emails. Voilà, si vous avez des followers sur les réseaux sociaux, etc. C'est vraiment important pour vous de comprendre que plus le problème que vous allez résoudre est urgent et important, plus vous pouvez générer des revenus. Petite parenthèse, pour ceux qui viennent d'arriver là, si vous cliquez sur la fenêtre, si vous n'avez pas cliqué sur la fenêtre qui est en bas à gauche, vous pouvez cliquer et agrandir l'écran pour voir le mind map. Donc voilà, ça c'est clair, j'espère pour vous résoudre un problème. D'accord? Et les gens ont des problèmes, tout le monde a des problèmes, vous avez un problème, j'ai un problème. Donc vous avez un marché énorme. Évidemment, vous répondez aussi à un besoin qui est financier. Bah, il y a des gens qui ont des problèmes, mais ils ne peuvent pas avoir un coach 1 heure par semaine pendant des semaines ou un psy. Alors non, en même temps, vous n'êtes pas là pour remplacer un psy. Mais vous voyez, il y a des gens qui ont des moyens limités et qui ne peuvent pas faire une école. Ils ne peuvent pas aller en école de commerce. Donc, ils se forment le soir et le week-end. Tout le monde ne peut pas payer HEC 10 000 euros l'année. Vous voyez? Donc, vous, à travers votre formation, vous pouvez apporter de l'aide à un coût bien plus limité. Puis géographique aussi, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas besoin de se déplacer jusqu'à vous. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer, d'accord? Donc, peu importe où vous habitez, si vous avez une connexion Internet, c'est bon. Donc, vous répondez à un besoin, à un problème, au fait qu'ils aient moins d'argent et qu'ils ne peuvent pas faire appel à un mentor ou un coach ou un consultant. Et qu'ils ne peuvent pas forcément se déplacer et que vous, vous ne pouvez pas forcément vous déplacer. Donc, vous répondez à un besoin. Alors, les caractéristiques. Vous apportez une solution et en fait, ce que vous faites, c'est que vous amenez vos clients d'un point A à un point B. Par exemple, les gens qui ont suivi la formation de partir de rien ou qui sont en train de la suivre. Il y en a qui sont arrivés avec la formation avec aucune idée ou plein d'idées, mais très farfelue et pas construite. Et bien là, au bout de 10 jours à peine, il y en a qui ont déjà une idée. Donc, je les ai amenés d'un point A qui est ne pas avoir d'idée de business à B, une idée de business. Okay? Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de la 4e semaine, ils aient même un produit à vendre, du freelance, du coaching et même une formation en ligne s'ils sont motivés. Donc, un point A, j'ai rien du tout, j'ai juste une envie d'entreprendre. Un point B, j'ai un produit et je peux toucher des clients. Donc, vraiment gardez ça en tête. Ce n'est pas une formation où vous donnez des conseils de bien-être, des conseils pour être bien dans le couple. Non, c'est
A à B. Comment éviter un divorce? Comment avoir mieux éduquer ses enfants? Okay? Comment pallier à l'acné que vous avez? Voilà, des trucs comme ça. Alors, j'espère que vous ne vendez pas de trucs comme ça. Mais voyez ce que je veux dire. Au niveau des médias, comment vous transmettez ça? Eh bien, vous utilisez une plateforme et je vais vous envoyer un lien vers des plateformes. Après, je vais vous recommander ça. Et en fait, sur cette plateforme, vous mettez des audios et ou vidéos et ou textes. Mais généralement, actuellement, il vaut mieux avoir une vidéo. D'accord? Sans vidéo, c'est quand même compliqué de vendre quelque chose à un prix élevé. Vous ne pouvez pas juste vendre un PDF, juste un texte, ni juste un fichier audio. Le mieux, c'est d'avoir les trois et ça donne une valeur perçue beaucoup plus importante. Donc après, c'est à vous de structurer. Si vous voulez les amener de A à B, eh ben, il y a combien de marches, combien d'étapes? Ben, si on a 5, ben, vous faites 5 modules et dans les modules, vous faites une ou plusieurs vidéos pour vraiment avancer ici, avancer là, avancer là. Donc, il y a une structure, OK? Il y a comme un chapitre, c'est comme un livre, d'accord? Il y a une structure. Ce n'est pas, encore une fois, des conseils par-ci, par-là. Est-ce que ça, c'est clair pour vous? Ouais, vous me dites si vous avez des questions. Alors, un autre aspect des formations en ligne aujourd'hui qui est incontournable pratiquement, sauf si vous vendez des formations pas chères, c'est le fait d'avoir une communauté, un groupe Facebook où les gens, les élèves peuvent se retrouver, poser des questions. Et ça, c'est important. OK, Fadler, super. Donc, ça, c'est vraiment important et c'est très valorisé. Je sais que… ça peut aussi faire diminuer vos remboursements. Pourquoi? Parce que quand un client rejoint une communauté et commence à avoir des discussions avec les gens, alors le but, c'est de le satisfaire au maximum avec un bon produit. Mais si le produit est moyennement bon et il se dit, allez, est-ce que je me fais une demande de remboursement ou pas? Bah, vu qu'il commence à créer des relations avec les gens, eh ben, il va se dire, non, je reste maintenant parce que… d'une part, il y a le côté affectif et d'autre part, ils comprennent que la valeur d'une formation, ce n'est pas juste le contenu, c'est aussi le réseau. C'est aussi la proximité avec le formateur. Moi, tous mes clients, bah, je reçois des emails tous les jours de personnes inconnues. Mais mes clients, bah, je répondrai toujours en priorité à ces clients-là. Même dans un an, 2 ans, je me souviendrai toujours d'eux. Et cette proximité avec un leader d'opinion, un influenceur, un formateur, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Je peux vous garantir que, voilà, avoir un relationnel avec une personne que vous admirez et que vous appréciez et qui peut vous aider peut vous ouvrir des portes énormes. Et le support client. Là, encore une fois, ça va dépendre de votre tarif et on va voir les tarifs après. Est-ce que vous offrez un support client? Est-ce que vous allez répondre aux questions des gens? Et si oui, pendant quelle période? OK? Et sous quelle forme? Vidéo, email? OK, il faut être précis. Et sous quelle durée? Par exemple, pour partir de rien. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de partir de rien. Mais s'il y en a qui sont intéressés pour la prochaine formation, voilà, je vous mets le lien. Ce sera certaine, quoi, ce sera l'année prochaine. Partir de rien.com. Alors, l'URL ne s'affiche pas, ce n'est pas grave. Voilà, vous copiez et vous collez. Donc, ça, c'est important. Et plus votre produit est payant, plus il va falloir apporter du support client. Moi, je m'engage à répondre sous 24 heures, par exemple. Bon, j'y arrive pratiquement. OK, il y a des fois où il y a des questions qui zappent. Donc, ça, c'est vraiment important d'apporter des réponses personnalisées aux gens. Et moi, je le fais pendant 5 semaines seulement. Ça, est-ce que vous avez des questions sur les caractéristiques? Est-ce que maintenant, si je vous dis une formation en ligne, c'est clair pour vous? Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? Et je vais vous donner le premier exemple, en fait. Je pense que c'est pas mal si je commence à vous donner le… Je vous avais promis 3 études de cas. Donc, 3 exemples. Je vais vous montrer le premier exemple. Comme ça, on va vraiment consolider la compréhension. Chez vous. Alors, j'ai payé il y a 2 ans, je crois, une formation qui s'appelle Nerd Fitness Academy. En fait, c'est une formation en ligne pour vous apprendre à être en forme, mais il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse aux geeks, quoi, aux gars qui jouent aux jeux vidéo et voilà, ce n'est pas leur truc le sport.
Du coup, c'est une formation qui passe en revue plusieurs choses, vous voyez, l'état d'esprit, la nutrition et le corps, et puis des plans d'action. D'accord? Et il fait ça, il y a un côté gamification qui est très très sympa, où tu as des quêtes, et je vais vous montrer de l'intérieur à quoi ça ressemble, même si c'est confus et que ça fait un moment que je n'ai pas utilisé. Vous voyez, il y a des vidéos. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Et le prix de cette formation, alors toujours une garantie satisfaite ou remboursée, ça c'est important. Et donc c'est 149 dollars ou trois paiements de 59 dollars. Donc ça, ouais, j'espère que c'est clair pour vous. Alors de toute façon, je vais vous montrer de l'intérieur à quoi ça ressemble. C'est un peu fouillis parce que ça fait un peu geek. Sympa, dit François. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. De l'intérieur, ça donne ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai mon petit niveau là. Je n'ai pas beaucoup progressé. Il y a plusieurs chapitres. Et lui, c'est principalement du texte pour la partie état d'esprit et nutrition. Et pour la partie sport, c'est des vidéos. C'est franchement très bien fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais voilà. Et il y a un groupe Facebook aussi. Il y a un groupe Facebook pour les hommes et un groupe Facebook pour les femmes. Là, je pense que c'est très intéressant comme séparation. Voilà, les gens sont focus comme ça. Vous voyez donc à quoi ça peut ressembler. Je vais vous montrer peut-être d'abord. Alors, ça, c'est l'état d'esprit. Donc, dans le module état d'esprit, il y a ça. Donc, c'est du texte. Et ça m'avait pas mal aidé, je me souviens, de lire ce texte. C'est comme des articles de blog, si vous voulez. Et puis après, il y a des missions. Et après, il y a des vidéos. Oh, voilà. Et des boss et tout à battre. Vous voyez, moi, j'avais atteint ça et tout. Bref, c'était marrant. Alors, ça, c'est assez poussé, hein. Ce n'est pas tout le monde qui va faire ça, hein. Là, il y a une grosse équipe derrière. D'accord. Voilà, ça, c'était un peu les dessous d'une formation. Je vais vous montrer un autre exemple après et on continue par les types de formation. Donc, il y a plusieurs types. Il y a, alors je ne vais pas commencer par… Ok, on va faire ça. Il y a la formation… Alors, type de formation. Oui. Alors, il y a la formation qui est limitée dans le temps. C'est une formation de 5 semaines et puis après les 5 semaines, c'est terminé. D'accord? Ça, c'est ce que je fais avec Partir de rien. L'idée, c'est de mettre de l'urgence. Aussi bien dans la formation, comme ça les gens pendant 5 semaines ils sont à fond, que pour la com aussi. C'est voilà, la formation, vous ne pouvez pas l'acheter n'importe quand dans l'année, il faut vous inscrire maintenant, comme je l'ai fait récemment, parce que la formation elle commence pour de vrai. C'est maintenant ou jamais, ou dans 3 mois plutôt. Il y a aussi l'espace membre. Alors donc, il y a l'espace membre. J'ai mélangé un peu les deux. Là, je vous avoue qu'on va mélanger un peu les deux parce que ce n'est pas simple à expliquer. Il y a l'espace membre qui consiste à vous abonner. En fait, tous les mois, vous avez des vidéos. Okay? Donc, un des exemples pour moi, c'est Platform University. Je vous le mets dans le chat. Voilà, c'est un espace membre, un site… voilà, je suis abonné à ça. Donc, vous vous abonnez une fois, vous accédez à plein de vidéos. Et puis, le mois prochain, vous continuez à vous réabonner ou pas. Et il y a du nouveau contenu. D'accord? Donc, là, pour Platform University, je crois que c'est 47 dollars, un truc comme ça. Il y a les replays d'événements. Vous faites une conférence, et ben vous enregistrez tout et vous vendez ça en digitalisé. Et puis, il y a la formation intemporelle, comme on l'a vu avec Nerd Fitness Academy. C'est-à-dire, si quelqu'un, il achète la formation et consulte cette formation quand il veut et il fait ce qu'il veut. D'accord? Et puis, la ponctuelle, c'était celle limitée dans le temps. Est-ce que c'est clair, ces quatre types de formation? Et est-ce que vous pensez à autre chose? Alors, tout peut être imaginé, mais est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Je vous laisse de… 2 secondes. Non? L'espace membre, Alain. Ok. Alors, Alain, il faut essayer d'imaginer ça. C'est-à-dire que tu payes un abonnement. Tous les mois, tu payes, par exemple,
30 euros. Par exemple, si moi, je devais faire un espace membre, comme j'en ai fait par le passé, tous les mois, tu payes 30 euros et tous les mois, tu as droit à une nouvelle mini-formation et un coaching en groupe. Donc, tous les mois où tu t'abonnes, tu as droit à une mini-formation. Ce mois-ci, c'est marketing par email. Le mois prochain, c'est comment créer des landing pages, le copywriting, comment utiliser les groupes Facebook, comment utiliser Instagram. Donc, une mini-formation. Dès que tu te désabonnes, tu n'as plus accès à rien du tout. Et tous les mois où tu es abonné, bah, tu accèdes à toutes les formations, dont les contenus live, les coachings en groupe. Alors oui, Denis, très bonne question. Il y en a qui le font. Si tu as une formation intemporelle, ton support client, bah, il est aussi intemporel pour certains. Et des gens qui ont, ceux qui ont des gros, gros business, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une équipe. Et du coup, admettons par exemple, ta formation, c'est sur comment bien élever ses enfants. Donc, théoriquement, voilà, tu ne vas pas utiliser cette formation pendant 30 ans. Tu vas l'utiliser quelques années, donc c'est illimité, mais tu ne vas pas prendre du temps au formateur pendant 50 ans. Donc, il peut te promettre un support client illimité parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, voilà, perdre du poids, bah, au bout d'un moment, tu vas perdre du poids et puis tu n'auras plus besoin de son aide. Donc, il va avoir une équipe qui va gérer la relation client. Et ça, c'est important. Mais ce qui se fait actuellement, réellement, la plupart des entrepreneurs qui ont une certaine taille, ce qu'ils font, c'est que tous les semaines ou tous les mois, il y a un coaching en live et tu poses toutes tes questions. Et là, c'est vraiment question illimitée. Et donc, c'est un coaching en live qui a lieu toutes les semaines, comme Pat Flynn, il fait ça, toutes les semaines durant le restant de votre vie. OK? Ou tous les mois durant le restant de votre vie, vous payez la formation qui en général c'est au moins des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Et là, support illimité en coaching, un peu comme en webinaire ce qu'on fait là. C'est comme si tous les mois, voilà, vous payez 1000 euros, tous les mois, je peux vous faire ce webinaire rien qu'à vous et vous poser toutes vos questions. Est-ce que c'est un peu plus clair, Denis? Alors, par exemple, je vais enseigner les bases de l'algorithmique en utilisant les actions de la vie de tous les jours, sans utiliser du code informatique pour les débutants. OK. Alors, je t'avoue que je n'ai pas totalement tout capté. À quel besoin tu réponds? Quel problème tu résous? Voilà, pense à ça. Et puis après, ben, moi, ce que je te propose, c'est, il y a aussi le format où c'est formation plus coaching. C'est-à-dire qu'il y a une formule. Live Mentor fait ça, je pense. Et on a Open Classroom fait ça aussi. C'est que vous payez, par exemple, 50 euros la formation, mais si vous payez 200 euros, vous avez un coach qui vous accompagne pendant 3 semaines. Voilà. Mais en général, c'est un upsell, quoi. Si vous avez d'autres questions comme Denis, n'hésitez pas, surtout. La tarification. Ça, c'est une question intéressante, n'est-ce pas? Vous le voyez, l'idée, c'est de vendre quand vous débutez entre 47 et 197 euros. Véronique, bienvenue quand même, merci d'être là. OK, mais on a un peu peur du code. D'accord, très bien. Donc voilà, Denis, tu pourrais très bien offrir une sorte de stage en ligne d'un mois avec un programme pour pousser les gens à l'utiliser. Et ça, tu peux vendre ça plus cher. Mais si tu veux mettre ça en Evergreen, tu peux mettre ça sur Udemy aussi. Okay. Udemy.com. Si tu veux le mettre en Evergreen, en intemporel, eh ben, tu utilises Udemy, tu la mets là-bas. Tu ne vas pas gagner beaucoup d'argent, mais tout sera automatisé et tu n'auras pas trop de support client à faire. Okay? Ou sinon, tu le vends toi-même et ça te coûtera, tu factureras plus cher. Alors, les facteurs pour déterminer le tarif. Donc, c'est le support client, j'en ai parlé, hein. Encore une fois, votre temps est extrêmement précieux. Okay, moi, je peux pas vendre une formation à 100 euros et offrir un support client illimité. C'est juste impossible. Est-ce que vous incluez des bonus? Et moi, je vous recommande vivement de mettre des bonus. C'est un très bon argument commercial, extrêmement important. Est-ce que vous proposez du coaching? Alors souvent, ça va être plutôt du coaching en groupe, hein. Mais vous pouvez faire du coaching individuel. Moi, par exemple, la première
promotion de partir de rien, bah, ils ont tous eu 1 heure de coaching avec moi, du moins pour ceux qui l'ont demandé. Qu'est-ce qui est offert? La qualité pédagogique, parce que la pédagogie, ça ne s'improvise pas totalement. Il y en a qui sont meilleurs que ça. Moi, par exemple, j'ai pas mal d'empathie et j'arrive pas mal à me mettre à la place des débutants. Tout le monde n'arrive pas à faire ça, mais on peut tous progresser. Si moi, je suis là, eh ben, je peux progresser. Si vous, vous êtes là, vous pouvez progresser. Okay? Et si moi, je suis là pour la pédagogie, je suis là pour autre chose. Et si vous, vous êtes là pour la pédagogie, vous êtes peut-être plus avancé pour les autres. D'accord? Mais l'idée, c'est toujours progresser. La qualité technique, okay? Votre vidéo, votre son, est-ce que votre lumière est bonne? Si vous filmez juste avec un smartphone, ça va être dur de vendre ça cher. Si vous filmez avec une bonne caméra, vous pouvez vendre ça un peu plus cher. Et puis, ce qui va vraiment déterminer aussi, c'est votre branding. Est-ce que vous êtes vraiment reconnu dans l'industrie où vous êtes? Donc, ça aussi, ça ne s'improvise pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'au début, on vend des formations comme moi, là, à 10 euros, 17 euros. Donc, petit à petit, avec le temps, vous allez monter, mais gardez en tête que votre marque personnelle, qui vous êtes, va déterminer le prix. C'est-à-dire une même formation, mais exactement la même formation, donnée par Tim Cook ou par un inconnu, ce ne sera pas le même prix. Même si c'est la même formation. Parce que d'un côté, on se dit, ah, c'est Tim Cook, ah, c'est Elon Musk qui a fait la formation quand même, c'est normal que ça coûte cher, je suis prêt à payer. Ça doit être très bon. Et de l'autre côté, c'est bon, lui, il n'est pas connu, ça a l'air bon, mais je ne suis pas sûr. D'accord? Et puis, parce que c'est aussi la proximité que les gens achètent. Les gens, si c'est une formation, si demain Elon Musk fait une formation et qu'elle m'intéresse, j'ai envie de l'acheter pour pouvoir me rapprocher un peu de lui. Okay? Bon, je ne suis pas forcément intéressé par Elon Musk, mais vous voyez l'idée. Donc, la première formation, j'ai envie de vous dire, faites de 47 à 197 euros. OK? Évidemment, vous pouvez faire un truc à 29 euros, voilà, ça ne pose pas de problème. Mais l'idée pour moi, c'est de vous positionner pas en tant que produit bas de gamme, parce que vous n'allez pas y mettre assez d'efforts. Si votre produit, il est moyen, autant en faire un produit gratuit. Les gens s'inscrivent et laissent leur email et vous récupérez les emails. Et après, vous vendez un produit à 47, à 97, à 197 euros. Mais faire un produit à 27 euros, ça dépendra vraiment des cas. Okay? Moi, je vous recommande dans ce cas-là de faire voilà, gratuit et premium plutôt que de faire un truc entre les deux et moyen. Est-ce que pour la tarification, c'est clair? Est-ce que vous avez des questions pour ça? Est-ce que ça vous va? Ouais. Ok, on continue alors. On continue. Étude de cas. Alors, je vais vous. On va faire un mini sondage. Je vais vous donner deux formations et c'est vous qui allez choisir laquelle je vous présente. D'accord? En gros, c'est une femme qui s'appelle Adrienne qui a deux formations. Il y a une formation, c'est comment apprendre à ses nourrissons à parler le plus rapidement possible. Vous voyez le niveau de créativité qu'ils ont, les Américains? Bah, ça va arriver en France. Donc, si vous avez des idées et que vous voulez y aller, faut y aller, n'attendez pas. Okay? Donc, est-ce que vous voulez que je vous présente rapidement la formation comment apprendre à ses enfants, à ses nourrissons à parler vite ou comment apprendre le langage des signes américains? Voilà. Donc, dites-moi laquelle vous préférez. Donc, un ou deux. Un, c'est ses nourrissons et deux, c'est langage des signes. Langage des signes, ils sont deux. Ah, c'est assez équilibré, hein? Bon, ok, ça n'a pas changé grand-chose. Et puis, n'hésitez pas, je vous mets le lien, vous allez pouvoir regarder. Mais c'était vraiment pour vous montrer que tout est possible à partir du moment où vous répondez à un besoin. Bah, allons pour langage des signes, ok? Parce que je crois que c'est sa formation qui coûte un peu plus cher. C'est marrant, hein, vous êtes vraiment moitié-moitié, j'ai l'impression. Alors, voilà. Vous voulez apprendre la langage des signes ou la langage des signes, hein, je crois, mais vous ne trouvez pas de classe. Donc, en fait, bah, elle enseigne ça. C'est son métier à la base.
Sauf qu'elle était juste salariée et elle faisait ça dans le cadre de son travail. Ben là, elle s'est dit, elle va le faire en ligne et elle va aider des milliers et des milliers de personnes. Et combien ça coûte? Ça coûte 247 dollars et ça consiste en quoi? Il y a quoi? Il y a des vidéos, des textes, c'est toujours la même chose, hein. Accès à vie. C'est une formation qui peut se faire en 30 jours. Voilà, 247 dollars. Et on va rentrer un peu dans le détail. Alors, première semaine, il y a ça. Deuxième semaine, troisième. OK. Une garantie ou remboursée de 7 jours. Ça, c'est assez peu commun parce que la plupart du temps, c'est plutôt 14 jours. Et voilà. Alors, le mieux, c'est que vous regardiez. Mais là où je voulais vous montrer, c'était le plan, en fait. Où est-ce qu'elle présente? Ah, voilà. Je trouve pas ça super bien présenté, mais je peux vous dire qu'elle gagne bien sa vie. Hein. Elle gagne bien sa vie. En gros, voilà, il y a une vidéo tous les jours, quoi. Jour 1, l'alphabet. Jour 3, se présenter, les verbes à manger. Voilà, j'espère que ça vous inspire. Nous sommes un groupe équilibré, me dit Véronique. Voilà. Donc, à vous d'aller regarder si vous êtes curieux. Il y avait un dernier truc. Ah oui, il y en a une aussi que j'ai rencontrée quand j'étais aux États-Unis. C'est bah, des cours de chant. Encore une fois, c'est en même temps, on se dit, c'est dingue, comment on peut enseigner du chant sur Internet? Et même moi, j'étais un petit peu sceptique. Pas sceptique méchant, mais sceptique en mode, je suis vraiment curieux de savoir. Et en même temps, bah, elle me dit, ça marche super bien. Donc, elle donne des cours de chant. Le truc, c'est qu'en plus, elle est allemande, elle. Voilà, elle est allemande et elle donne des cours. Alors, il y a 30 vidéos, accès à vie, 199 dollars, du contenu 100% exclusif parce que sur YouTube, elle a aussi beaucoup de vidéos. Et elle a une formation aussi, un truc plus élevé où il y a du coaching sur Facebook. OK, pareil, je vous mets le lien. Et vous allez pouvoir voir. Donc voilà, là c'est le plan du cours. Voilà la partie un peu théorique. Voilà, c'est super intéressant. Et parfois, alors vous allez me dire, ouais, je préfère peut-être prendre des cours dans ma vie, mais pas forcément. Parce que si vous suivez ces vidéos YouTube et que ces vidéos gratuites vous apportent énormément de contenu et que vous êtes attaché à elles, bah vous préférez prendre des cours avec elle, même si c'est à distance, que d'aller à la MJC ou je ne sais pas, dans une maison des associations et ne pas savoir sur qui vous tombez. Donc voilà, il y a de la place pour tous les produits. Et c'était vraiment ça que je voulais vous montrer. Et je vais vous montrer aussi à la fin ma formation à moi, comment ça se passe. Alors, j'ai un plan d'action à vous montrer. J'ai un plan d'action à vous montrer. Et puis après, je vous montre mon exemple. Alors, ce que je vais vous présenter là, c'est issu d'une formation et je vais vous en parler après. Parce que j'ai une offre spéciale pour vous qui assistez à ce webinaire. Donc, j'ai hâte de vous présenter ce que vous pouvez apprendre avec moi si vous voulez aller plus loin après ce webinaire. Donc, ça, c'est issu de la formation Feuille de route de l'infopreneur. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail. De toute façon, c'est une formation qui dure 1h15. Donc, je ne vais pas pouvoir, mais je vais vous montrer le plan général. Okay? Et puis, si vous voulez continuer avec moi et rentrer dans le détail, vous voyez, j'ai beaucoup de choses en dessous à vous montrer, mais on n'a pas le temps. Et puis, voilà, encore une fois, ça, c'est dans le cadre d'une formation payante. Ce qu'il va falloir faire maintenant que vous avez tout ça en tête, c'est un plan, une trajectoire, un plan d'action, une feuille de route. C'est bien beau tout ça, mais par quoi vous commencez? C'est là que vous allez vous dire, ah, et que vous allez vous dire, oh, mais c'est trop compliqué, LinkedIn, il m'a fait rêver, mais en fait, ce n'est pas facile. Bah ouais, ce n'est pas facile, mais à la fin, si vous y arrivez, vous imaginez la vie que vous pouvez mener? Voilà, imaginez ce que vous pouvez faire si vous vendez des formations
À 100 euros, vous en vendez 30, un par jour, ça vous fait 3 000 euros par mois, 36 000 euros, même si c'est que du chiffre d'affaires. Ce n'est pas des chiffres dingues. Hein. Encore une fois, là, les exemples que je vous ai montrés, c'est des gens qui gagnent des dizaines et des centaines de milliers d'euros par an. Et il y en a plein qui gagnent aussi des millions d'euros. Alors, la première chose à faire, c'est créer du contenu. Ça marche si vous êtes passionné par ce que vous faites. Hein. Vous créez du contenu audio, vidéo ou texte. Vous le publiez et vous attirez un public et vous les attirez sur la plateforme. D'accord? Le contenu, s'il reste sur votre ordinateur, ça ne sert à rien. Vous allez sur YouTube, les podcasts, les blogs. Okay? Si vous voulez de l'aide à ce niveau-là, donc je ne me suis même pas présenté. Il y a peut-être des gens qui ne me connaissent pas du tout, en fait, mais le guide du blogueur, ça peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas pour cette première étape-là, c'est vraiment crucial de vous accompagner. Donc si le livre peut vous aider, tant mieux. Et donc, sur cette plateforme, bah voilà, va falloir avoir du trafic. Sinon, bah, ça ne sert à rien s'il n'y a personne qui vient. Donc là, il y a plein de techniques que vous pouvez utiliser. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais Google, il y a des plateformes de contenu, les médias sociaux, les partenaires, publicité, les livres, etc. Okay? Donc, il y a énormément de manières de faire. Donc, vous avez votre contenu sur votre plateforme. Maintenant, vous avez votre trafic, eh ben, il faut les garder, ces personnes, dans votre liste d'emails. Ça, c'est indispensable. C'est quelque chose que j'ai déjà présenté durant d'autres webinaires, mais c'est un très bon rappel pour vous. Gardez les emails des gens. C'est là que vous allez vraiment faire des ventes. Moi, si cet été, je devais tout vendre via les réseaux sociaux, je n'aurais pas fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. J'aurais fait peut-être 2 000 euros. Okay. Et encore, vraiment. L'email, c'est extrêmement important et tous les grands marketeurs utilisent l'email. Donc, une fois que vous récupérez l'email, eh ben, on va commencer à créer une communauté, un peu comme ce qu'on fait là avec un webinaire, avec un groupe Facebook, à travers les commentaires, à travers des rencontres physiques. Moi, je faisais beaucoup de meet-up à un moment donné. Ça, c'est important parce que ce n'est pas la même chose d'avoir 100 personnes qui vous suivent individuellement, que 100 personnes qui se connaissent et qui vous suivent. Parce que s'ils se connaissent et s'il y a des liens entre eux, ça crée là des vrais fans. Pensez à la communauté Apple, okay? Les fans d'Apple, comme moi je le suis, mais je le suis un peu moins. Bah voilà, dès qu'on se voit, tu as regardé la keynote, oui, tu as vu cette application. Voilà, on est vraiment une communauté. Et le fait de discuter avec cette communauté nous donne encore plus envie d'acheter des produits Apple. Et donc, une fois qu'on a cette communauté, c'est là qu'on crée la formation en ligne. Ce n'est pas en premier. Alors, c'est là où j'aimerais attirer votre attention aussi. Là, le schéma que je vous donne, c'est le schéma le plus répandu, le plus efficace, le plus performant. Mais ça, là, le produit, vous pouvez peut-être le créer aujourd'hui et mettre la publicité Facebook et récupérer et vendre tout de suite. Ou vous pouvez avoir un produit, travailler avec un partenaire et il vous ramène directement du trafic. Vous n'avez même pas besoin de faire tout ça. Okay? Ce que je vous donne là, c'est un schéma. C'est le schéma le plus classique, mais ce n'est pas la seule solution. Okay? C'est le schéma le plus logique. À vous, après, de voir, en fonction de ce schéma, comment vous pouvez agencer les choses. Et puis, quand vous vendez un produit, après, vous revendez des produits aux mêmes clients pour les aider à aller plus loin. OK, j'ai aidé vos enfants, vos enfants nourrissons à bien parler, à parler vite. Bah maintenant, j'ai envie d'aider de vous aider à mieux éduquer les enfants. OK, les aider à manger quand ils ne veulent pas manger. Tiens, ça serait un carton, ça. Une formation où vous apprenez aux parents à convaincre leurs enfants de manger à table, ça peut faire un carton. Voilà. S'il y en a qui aiment beaucoup les enfants, l'idée, elle est gratuite, c'est cadeau. Et puis, tout ça, il faut toujours garder en tête le know, like and trust. Sur Internet, il faut se faire connaître, OK? Il faut se faire apprécier pour qui on est. Et là, vous allez avoir la confiance des gens. Parce que vous ne vendez pas comme ça des formations à 500 euros, 1 000 euros à n'importe qui. Si vous arrivez à créer tout ce cheminement, ce tunnel de vente, d'avoir créé cette sensation de communauté par email, vous avez pu discuter un petit peu. Moi, j'appelle même
prospecte le faux téléphone pour les convaincre d'acheter, bah vous créez une confiance. Et quand vous avez la confiance des gens, non seulement ils vont acheter, mais ils vont racheter, ils vont racheter, ils vont racheter, ils vont parler de vous, ils vont parler de vous. Ça va faire grossir. Et là, ça va être énorme. Mais sans la confiance des gens, vous n'allez pas pouvoir vous lancer là. Okay? Donc, il y a plein d'astuces, mais là n'est pas la question. Je voulais juste que vous preniez en photo ce graphique, vous gardiez ça en tête. D'accord? Alors, les amis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que là, par exemple, si le webinaire se termine maintenant, est-ce que vous repartez en mode, c'est bon, je gère, je peux aller faire ma formation, ou est-ce que vous n'êtes pas convaincu? Voilà. Est-ce que si on arrête le webinaire maintenant, vous restez sur votre faim ou vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Je vous écoute. Ok, très bien, Véronique. En fait, idéalement, pour moi, tu as compris que mon schéma, c'était… Mon schéma, c'est… On crée du contenu, on crée des plateformes, on attire du trafic, on récupère les emails, on crée une communauté, et puis après, on fait la promotion auprès de cet auditoire. Okay? C'est comme s'il y avait l'idée, c'est de remplir votre salle au maximum pour après leur vendre, leur dire, voilà, je vais vous donner un spectacle. Alors que si vous donnez un spectacle tout de suite et qu'il n'y a personne dans la salle, bah, personne ne va regarder, personne ne va acheter votre disque, votre film. Donc, l'idée, c'est de remplir la salle, d'avoir une communauté, plein de gens, et après de leur vendre un produit. Okay? Mais si vous avez si tu es chanteur, par exemple, tu es chanteuse, et ben, on t'invite à un festival, ben, tu n'as pas besoin de ramener ton propre public. La salle, elle est remplie par l'organisateur du festival. Donc, exemple. S'il y a l'un d'entre vous là qui me dit, par exemple, Lingen, moi, je suis un expert en Facebook Ads, en Facebook publicité. Je veux faire un partenariat avec toi. Je n'ai pas d'audience, mais je suis un expert. Je peux t'aider. Est-ce que Lingen, tu veux bien faire la promotion de ma formation? Moi, on s'entend bien. Et je dis, OK, d'accord, on s'entend bien, ça marche bien. Tu m'as montré, tu es compétent. Eh bien, je vais commencer à faire la promotion de la formation de cette personne qui débarque de nulle part. Et lui, du jour au lendemain, il va avoir des centaines de prospects et des milliers de prospects, sans avoir fait 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'en fait, il n'aura fait que le 3, et le 3, il l'aura fait en collaboration avec quelqu'un. Est-ce que c'est clair ou pas? N'hésite pas, hein, tu me dis si ce n'est pas clair. Alors oui, les plateformes, les plateformes, les plateformes, je vous avais promis ça. Alors j'ai créé un document qui est encore en bêta parce que… Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire et je vais vous donner le lien tout de suite. Va falloir que vous fassiez un copier-coller. Solopreneur.fr/ressources, vous allez retrouver un ensemble de ressources. Un ensemble de ressources, donc des outils de capture vidéo, d'édition de vidéo, des plateformes, ok? Et j'ai mis en gras les solutions que moi je recommande particulièrement. Donc voilà, le lien, allez-y, vous pouvez visiter ça. Okay, Véronique, au moins j'espère que c'est clair. Si ce n'est pas clair, n'hésite pas. Quelles sont les meilleures plateformes? Pour moi, c'est Podia. C'est celle que j'utilise. Ah oui, il faut que je vous la montre d'ailleurs. Elle est vraiment géniale et simple d'utilisation. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, j'ai bien vu que vous avez des questions. Je vous montre ma plateforme parce que je vous l'avais promis et puis après on revient à vos questions. Okay? Donc ça, c'est ma plateforme. Donc la formation Partir de rien. Toutes les semaines, il y a un module qui se débloque. Vous voyez, là, ils sont au module 2. Le 8, 10, il y aura ça, il y aura ça. Donc, on est sur le bienvenu là. Avant que la formation commence, il y a des introductions avec des vidéos. D'accord? Donc, c'est rien d'autre que des vidéos avec parfois un peu de texte. Là, ça charge. Et là, ce que vous voyez là, c'est avec Podia. Et n'hésitez pas à utiliser des liens ici. C'est des liens affiliés d'ailleurs. Si vous les utilisez, vous passez par ces liens-là, ça m'apporte une commission sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Et si vous utilisez mes liens pour acheter quelque chose, envoyez-moi un email surtout pour que
je puisse vous remercier personnellement. Donc, ici, par exemple, il y a une vidéo. Comment faire un ami, l'argent. Donc, c'est des vidéos exclusives qui sont que là, évidemment, qui sont disponibles que là. Il y a une logique. Donc là, ça charge. Il y a une logique dans les vidéos. Hein? Voilà, c'est juste une vidéo. Là, si je fais play. Là, c'était pendant que j'étais au bois de Vincennes. Et les vidéos d'introduction, c'est moi face caméra. Mais après, en fait, on rentre plus dans un schéma plus pédagogique, plus académique, avec des mind maps. OK. Et donc, ça, la première semaine, c'est mes ressources. Donc, j'invite les gens à réfléchir sur leurs ressources. Après, ça va faire naître des idées. Après, ils vont tester cette idée sur le marché. Et après, ils vont sortir un produit. Okay. Du coup, voilà, je les amène vraiment d'un point A à un point B. C'est vraiment le but. Votre prochaine mission, que c'est assez précis, ce que vous allez entre quand je marche dans la rue, c'est juste à marcher, à prendre du plaisir à marcher. Voilà. Et du coup, ça, c'était… Donc, il y a plein de vidéos comme ça. Et en tout, pour tout, il y a, je ne sais pas, 30, 40 vidéos et ça représente des 20… une vingtaine d'heures, mais c'est qu'une partie de la formation en fait. Moi, ce que je propose, c'est des fiches à remplir. Donc, ils reçoivent un colis, et c'est une formation digitale avec des fiches qu'ils doivent remplir, avec des post-it et tout. Chaque semaine, ils ont une enveloppe qu'ils doivent ouvrir. Et il y a aussi un groupe Facebook où il y a un support client. Donc, sous 24 heures, s'ils posent une question, je réponds. Eux, ils peuvent connecter. Et puis, en plus, je suis allé beaucoup plus loin. Un truc qui coûte vraiment très cher normalement, c'est un bonus qui est de faire des groupes, des coachings en groupe. Parce que ça prend vraiment du temps pour moi. Mais en même temps, voilà, c'est ce que j'aime faire et je suis très content de le faire. C'est des groupes de 4 à 6 personnes où tous les semaines, pendant 4-5 semaines, je réponds à toutes leurs questions et puis on partage et ça crée des liens. Et c'est vraiment du live et… En fait, ça rythme la formation et ça pousse les gens à venir au rendez-vous. Parce que s'ils ne sont pas présents, je vois qu'ils ne sont pas présents et qu'ils ne sont pas impliqués. Et moi, l'un des déblocages que j'ai eu, c'était je ne voulais pas faire de formation en ligne parce que ça me faisait trop mal au cœur. J'avais un problème avec ce concept. Les gens payent 300 euros pour une formation et ne l'utilisent pas. Et je n'arrivais pas à vendre ça. Du coup, j'ai trouvé ce format-là pour forcer les gens à utiliser la formation. Et comme ça, tout le monde est gagnant. Et puis, il y a d'autres bonus aussi dans la formation. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Si jamais c'est une formation qui vous intéresse, prochaine session, ce sera en janvier, je pense. Voilà, partirien.com. Ok, je relis vos questions. Est-il une formation avec vous pour pouvoir mettre toute cette schématique en place? En fait, j'ai une idée, mais je ne sais pas comment organiser la création de ma future formation. Reste branché, Marc, je vais vous en parler juste après. Et c'est chouette si tu veux, tu es prêt, tu es convaincu à lancer ta formation. Véronique me dit, oui, c'est clair, c'est exactement ce que j'ai fait en t'envoyant un email pour une collaboration. Ah, ok, c'est toi qui m'as dit de faire… Pour moi, ce que moi j'ai fait pour Yann, c'est ça ou pas? Community management. Je n'ai pas eu le temps de répondre, effectivement, mais j'ai bien vu, merci. Il y a FTT qui me demande, est-ce que ta formation peut aider à créer une stratégie de vente et à développer ensuite un business, même si on est débutant? Alors, la réponse est oui. Quoi, je vais y répondre après. Ok, je vais y répondre après. Logiciel mind mapping, je l'ai donné tout à l'heure, non? Mindnode.com. Ça, c'est sur Mac. Sinon, il y a MindMeister qui est moins bien, mais ça marche aussi. Alors, ce que je vais vous présenter, voilà, j'ai hâte de vous présenter ce que je vais vous présenter. Donc, vous savez, vous avez vu ça, ok? Vous avez vu qu'il y avait des petits points en dessous que je vous cache parce que c'est une formation et parce que je crois vraiment que c'est la formation la plus dense que vous pouvez avoir et qui vous apporte un maximum de contenu. Donc, je vous présente la formation feuille de route de l'infopreneur que j'ai déjà lancée, mais j'ai des bonus spécialement pour vous. Et ces bonus, si vous avez acheté la formation auparavant et si vous l'avez eu en bonus parce que vous l'avez acheté dans la formation Partir de rien, vous aurez droit à ces bonus aussi, je vous rassure.
Donc, c'est 7 étapes. C'est 1h15 de vidéo pour aller à l'essentiel. En fait, il y a 7 vidéos, ou 8 même, où je développe en fait chaque étape. Et pendant 5 à 20 minutes, je développe plus en détail que ce que je vous ai présenté là. Donc, mon idée, c'était pour vous, en un minimum de temps, comprendre un maximum comment ça marche et après d'exécuter. Moi, je vous donne quelques outils et quelques pistes. Par contre, après, c'est vous qui voyez. Okay? Parce que chacun, en fait, je vais vous dire tout de suite, la formation, elle ne coûte que 95 euros. Donc, vous comprenez bien qu'à 95 euros, je ne vais pas pouvoir vous donner 10 heures de formation et vous accompagner individuellement. Mais si vous inscrivez ce mois-ci, vous allez avoir de l'aide en illimité. Vous êtes prêts? En fait, il y aura un groupe Facebook. Il y a déjà un groupe Facebook. Il y a deux, trois personnes qui sont inscrites. Parce que je n'ai pas beaucoup fait la promo encore, mais dans ce groupe Facebook, vous allez avoir un cadeau. J'ai mis ça correspondait à une valeur de 99 euros, mais je peux vous garantir que ça vaut bien plus. Dans ce groupe Facebook, vous allez pouvoir poser toutes vos questions, absolument toutes vos questions sur la thématique de la formation en ligne. Et moi, je vous réponds sous 48 heures, par écrit ou même en vidéo. Je réponds à toutes vos questions. Vraiment, si vous me dites, j'ai une idée de formation pour apprendre le tricot, mais ma vidéo, là, elle n'a pas assez de lumière. Bref, je réponds à toutes vos questions. Vraiment, toutes vos questions. De toute façon, vous n'êtes pas satisfait, comme tous mes produits, satisfait ou remboursé 30 jours. Au bout de 29 jours, pour X raison, vous n'êtes pas content. Vous m'envoyez un email, vous m'expliquez même pas la raison. Okay? Je vous rembourse et après seulement, je vous demande pourquoi. Okay? Donc, ça, c'est dit. Vous avez en plus, dans le cadre de la formation Partir de rien, vous avez une formation business plan. Et ça, c'est important. Parce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, on est là, OK, on fait quoi? On ne sait pas combien on veut gagner, on ne sait pas pourquoi on fait ça, on ne connaît pas nos forces, nos faiblesses, on ne sait pas ce que les concurrents font. C'est le flou total parce que vous n'êtes pas formé. C'est normal. Vous essayez de rentrer dans un monde où, voilà, de la même manière qu'un chirurgien, il ne fait pas d'opération au bout d'un an. Bon, en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de vous former. Et donc, ça, c'est un truc très dense. En 20 minutes, il y a une feuille à imprimer. En fait, il y a 6 pages à imprimer. Vous imprimez ça, vous téléchargez, vous imprimez, vous regardez la vidéo, vous mettez sur pause, vous travaillez. Voilà. Au bout d'une heure, vous avez votre business plan. Niveau très basique, mais je peux vous garantir que si vous passez cette heure-là à faire ce travail-là, vous allez être beaucoup plus au clair et générer plus de revenus et travailler plus efficacement, plus stratégiquement et pas être dans l'improvisation. Donc ça, cette formation de 20 minutes avec le document à télécharger est offerte dans la formation. Il y a le guide du blogueur. Si vous ne l'avez pas en papier, allez l'acheter parce que c'est du costaud. Mais vous aurez la version audio offerte. Très bon à écouter dans la voiture, dans les transports. Ça vous fera des bons rappels et ça va compléter parfaitement tout ça. Parce que lancer une formation vidéo, lancer une formation en ligne sans comprendre les fondamentaux du marketing, de la création de contenu, de la création de communautés, des réseaux sociaux, c'est quand même très, très compliqué. Donc ça va vous donner de quoi avancer. Mise à jour à vie. Mise à jour à vie. Vous allez avoir accès à une mise à jour à vie. Vous comprenez bien que dans 10 ans, ça ne va pas être la même chose du tout. Okay? Dans 20 ans non plus. Et ben moi, je vous garantis que cet accès, tant que je suis vivant, vous aurez accès à toutes les mises à jour à vie. Okay? Donc ça, c'est cadeau et ça va vraiment vous aider parce que je sais que parmi vous, vous n'allez pas vous lancer tout de suite, vous allez apprendre un peu. Où vous allez vous lancer, mais dans 6 mois, dans un an, vous voulez revenir et améliorer votre formation et comprendre ce qui n'est pas allé et pourquoi vous n'avez pas réussi à faire votre promotion. Et là, vous allez pouvoir revenir sur cette formation et réapprendre. Mais n'attendez pas dans 12 mois. Plus tôt vous formez, plus tôt vous comprenez comment ça marche et plus tôt vous pouvez passer à l'action et apprendre par l'action et pas juste apprendre par la théorie. Mais pour ça, vous avez besoin d'une base et là, cette base-là, elle est là pour vous. En 1h15, vous avez toutes les bases. Et si vous achetez 7 semaines seulement, alors ça ne va pas concerner tout le monde, quoique, si vous achetez 7 semaines seulement, avant dimanche minuit, vous allez avoir une réduction à un repas atelier qui aura lieu à Paris fin octobre. C'est soit le jeudi, je n'ai pas encore la date, donc que ça ne,
Voilà, je n'ai pas encore la date, mais c'est soit jeudi. Alors, soit jeudi 25 octobre, soit samedi, jeudi 25 octobre de 18h30 à 22h, soit samedi 27 octobre de midi à 15h30. Donc, ça va être un repas très convivial. On va être 10 maximum. Et puis, on va travailler. Et puis, comme vous avez déjà vu cette formation, vous allez venir, vous allez avoir un stylo, un papier, et je vais vous faire travailler de manière concrète. OK? Et ça va être fun. Donc, ça, c'est payant, c'est 99 euros ce repas. Si vous inscrivez cette semaine, vous aurez 30% de réduction. Donc, si vous faites le calcul, la formation, elle vous coûte 95 euros avec tous les bonus et la réduction au repas le support illimité. Vous comprenez bien que c'est un deal de malade. Alors, il y a un truc que je n'ai pas ajouté dans la slide parce que ça va dépendre du niveau de motivation des personnes qui vont nous rejoindre. Si parmi les gens qui nous rejoignent, je vois qu'il y en a qui ont des besoins, qui veulent aller plus loin, parce que moi, j'ai acheté une formation à 1 000 $, hein, pour me former aux formations en ligne. Je ne suis pas débarqué comme ça avec, tiens, je vais faire ci. J'ai beaucoup observé, je me suis rappelé de mon expérience et puis j'ai fait une grosse formation. Donc, s'il y en a qui, après cette formation, en venant même au repas, en suivant tout, ils veulent vraiment aller plus loin avec un accompagnement bien costaud, avec des choses beaucoup plus détaillées, je vais créer une formation complète de A à Z. Vraiment, on va tout voir. Et si vous êtes inscrit à cette formation, vous aurez une grosse réduction qui dépassera largement les 95 euros que vous allez payer. Okay? Cette formation que je vais faire, ça va coûter entre 700 et 1000 euros. Je ne suis pas encore sûr. Je vous promets que vous aurez au moins 200 euros de réduction sur cette formation si vous avez déjà acheté cette formation. Okay? Pour être totalement transparent, ce qui va se passer, c'est que ceux qui vont rejoindre cette formation, et je vais vous mettre le lien maintenant si vous voulez nous rejoindre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez poser plein de questions et en fonction de vos questions, je vais comprendre vos besoins et je vais créer une formation à partir de ça avec vous. D'accord? Donc, c'est aussi pour ça que je veux vous offrir une réduction pour vous remercier d'une certaine manière de votre participation. C'est quand même sympa comme remerciement parce qu'en fait, je vais répondre à toutes vos questions pendant un mois et voilà, c'est vraiment pas mal. Donc, je vous ai mis le lien. Il y a l'offre qui est apparue normalement. Est-ce que vous l'avez? Donc, si vous descendez tout en bas dans Offers, vous allez avoir l'offre. Et puis, je vous l'ai mis dans le lien. Donc, c'est solopreneur.fr/FDR comme feuille de route. Et cette formation, voilà, pour rappel, ce bonus est disponible uniquement cette semaine. Celui-là, c'est disponible tout le mois d'octobre, mais vous comprenez bien que si vous achetez fin octobre, vous n'allez pas pouvoir poser vos questions. Okay? Et voilà, plus tôt vous rejoignez, plus tôt vous pourrez poser vos questions et j'ai hâte de travailler avec vous. Donc, le samedi, ce serait génial. Écoute, je ne peux pas promettre à 100% Emma, mais c'est sûr que les clients, en fait, je sonde les clients. Si 8 personnes sur 10 me disent je préfère samedi, c'est sûr que je vais choisir le samedi. Ok. Est-ce que vous avez des questions sur la formation, l'information, le webinaire? Est-ce que vous avez des questions sur cette formation? Donc, c'est le moment. Ah oui, d'accord. Ok, Emma. Écoute, Emma, envoie-moi un email et puis moi, je vais définir la date. Demain, normalement. Et je pensais à samedi aussi. Donc voilà, on verra. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Si vous avez des questions, c'est le moment. Emma, tu habites où? OK. Si vous voulez nous partager vos idées de formation, n'hésitez pas aussi. Voilà, on a eu l'idée d'apprendre à développer. Limpide, me dit Marc. Chauvigny, ok, je t'avoue que ça ne m'aide pas trop. Où se trouve Chauvigny? Voilà. Non, elle ne l'a pas compris là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.
D'accord? Et puis, pour profiter de l'offre, je vous remets le lien. Et puis, surtout, voilà, si vous nous rejoignez, j'ai hâte de répondre à toutes vos questions et de vous aider à créer cette formation en ligne. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir. On ne gagne pas des millions comme ça facilement, mais je vais être là pour vous aider. Et pour ça, j'ai besoin de vos questions. Donc, si vous nous rejoignez, posez surtout toutes vos questions et j'ai hâte de travailler avec vous. Alors, Chauvigny, ouais, c'est près de, ouais, c'est entre Tours et La Rochelle, c'est pas à côté, effectivement. Offre grosse formation, Ariane me dit. C'est quoi ta question? Tu veux avoir plus de détails sur la grosse formation? En gros, j'attends de voir le niveau d'intérêt de ma communauté pour appliquer ce que moi j'enseigne, qui est de ne pas faire une grosse formation sans savoir si des gens veulent vraiment. En gros, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, plus comment communiquer, comment faire le lancement, comment faire des vidéos de vente, une page de vente. Okay? Donc, c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en 5 fois plus détaillé, où on rentre vraiment dans les détails, et plus la partie communication et lancement de la formation. Parce que une fois qu'on a fait tout ça, si on n'arrive pas à le vendre, c'est juste dommage. Et puis, avec un support client comme tu le connais, où je suis vraiment disponible. Donc, la grosse formation, on verra le niveau d'intérêt pour déjà la formation, la feuille de route de l'infopreneur. Oui, tu l'as déjà, Ariane. Je crois que tu n'as pas encore rejoint le groupe Facebook. Donc, dès lundi prochain, tu vas pouvoir poser tes questions. Et je serai très content d'y répondre. Donc, Emma, c'est dans le groupe Facebook. OK? Et pareil, hein, si vous rejoignez, je suis disponible. Je vous donnerai le lien, vous accéderez au groupe Facebook et c'est à partir de ce lundi. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que c'est clair? D'autres questions sur la thématique de la formation en ligne? Alors, normalement, tu as reçu un email, Ariane. Si tu n'as pas reçu, il faut que tu te connectes à la formation. Je vais vous la montrer. Tiens. Je vais vous la montrer. Ça ressemble si. Alors, s'il y en a qui doivent partir, merci d'être venu. C'était un grand plaisir. Bon appétit. J'ai été ravi de partager ça avec vous et je vais prendre quelques questions. Donc, merci Adèle, Christelle, Ariane, Brice, Chris, Daniel, Déborah, Alain, Delphine, Denis, Jean-Marc, Imen, Fadler, FTT, Emma, Emmanuel, Marc, Maria, Maria, Senam, Slimane, Véronique, Victor, Christian. Donc, merci à vous d'être venu et je reste avec les personnes qui ont quelques questions à poser. Ciao, ciao. Salut François. Salut Alain. OK, parfait Alain. On en parle demain. Moi, j'ai déjà acheté la formation. C'est moi qui l'ai créée. Ah oui, c'est là. Montrer concrètement et Ariane, je vais te montrer où est le lien. Donc, si vous avez des questions sur la formation en ligne et sur la formation feuille de route de l'infopreneur, n'hésitez pas. Donc, je suis là pour y répondre. Je vais rester 5-10 minutes en plus. Donc, profitez-en un max. Est-ce que tu parles de sa présence sur les réseaux sociaux? Alors, Véronique, très bonne question. Dans la formation, je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas une formation sur les réseaux sociaux. Par contre, dans le support client, tu peux me poser toutes tes questions. Tant que c'est en lien avec la formation, je répondrai à toutes tes questions. Mais j'ai une autre formation pour ça, c'est la formation marque personnelle qui est beaucoup plus costaud. Donc non, je ne parle pas en détail des réseaux sociaux, j'y reste peut-être 3 minutes, quoi. Voilà, donc ça ressemble à ça. Une fois que vous êtes inscrit, vous accédez aux vidéos. Alors non, ça c'est parce que voilà, je suis pas connecté en tant que participant en fait. Et là, il y a un groupe Facebook privé. Voilà, tu vois, Ariane, c'est ici. Dans les bonus, tu cliques ici, accéder.
Tu cliques et ça t'amènera vers le groupe Facebook privé. Okay? Vous voyez, la formation business plan, il y a le livre audio. Voilà, et il y a des petites surprises. Alors, je peux vous dire, il y a une des surprises, c'est que vous pouvez faire un upgrade pour 55 euros seulement. Vous pouvez avoir une heure de coaching avec moi. Donc, c'est rien du tout. Okay, c'est rien du tout et c'est à durée limitée. Okay, donc, tout le support client, tout ça, je ne le ferai pas toute l'année, c'est juste impossible. Les questions. FTT me demande la différence avec la formation Partir d'un. Partir d'un, c'est une formation où j'apprends aux gens à se poser des questions sur eux-mêmes, à trouver des idées, à tester cette idée sur le marché et à lancer un projet entrepreneurial. Okay? Donc, tout ça, toute cette partie-là, ce n'est pas vu dans la formation feuille de route. Maintenant, une fois qu'on est arrivé à la quatrième semaine, c'est pour ça que je l'offre en bonus, bah, ceux qui veulent lancer une formation en ligne, eh ben, ils peuvent utiliser le bonus. Okay? Et si ça peut t'aider, FTT, je devine un peu ta question. Si jamais tu achètes la formation feuille de route, tu peux compter sur moi pour te la déduire si derrière tu prends la formation à partir de rien en janvier et ça t'aura fait de l'avance d'ailleurs. Voilà, voilà, si c'est ça aussi que tu te demandes. Alors, Yao, tu fais partie de la formation, hein, tu l'as cette formation. Okay? Dans les bonus, tu vas dans Partir de rien, tout en bas, il y a l'accès. Tout ce que j'ai partagé là, tu as accès. Okay? Dommage que tu habites au Canada parce que tu aurais pu venir aussi au dîner ou au déjeuner. Donc, Yao, tout ça là, tu as accès parce que tu es client de Partir de rien. Ok, Marc, bah écoute, est-ce que tu as des questions? Sinon, je te dis à la prochaine. Christian me dit bonne vente. Merci, Christian. Et je sais que tu vas me demander combien j'en ai vendu après et je te répondrai. Salut, Rudy. Pour moi, ce n'est pas une question d'argent, me dit Marc, car je viens de prendre ma retraite de l'armée et il est vital que je commence ma ou mes futures formations. J'ai besoin juste un peu d'aide, merci. Écoute, Marc, j'accompagne de plus en plus de personnes retraitées qui sont dans ton cas. Tu n'es vraiment pas la seule personne. Il y a mon épouse qui vient de rentrer. Voilà, je ne connais pas ta situation, mais si l'argent n'est pas un problème et que tu me fais confiance et qu'il y a une garantie satisfaisante pour ces 30 jours, tu n'as rien à perdre. Okay? Lance-toi, regarde comment c'est, forme-toi. Et puis pose toutes tes questions et moi je serais ravi d'y répondre. Et si tu veux vraiment un accompagnement plus poussé, Marc, bah moi j'offre des packs de coaching aussi. J'offre des packs de coaching pour les clients, 5 heures de coaching à 499 euros. Après, en fonction d'où tu habites, tu peux même me déplacer aussi. Donc ça, on voit après si tu veux, ou tu m'envoies un email, ok, et je serais ravi de te faire un truc à la carte, Marc. N'hésite pas. En tout cas, sache que si tu peux te faire accompagner, même si c'est par quelqu'un d'autre, hein, tu vas gagner beaucoup plus de temps. Okay? Il ne faut pas perdre du temps avec de la technique, avec des petites questions inintéressantes. Va plus vite, forme-toi et trouve des experts pour t'aider. Alors, salut Ariane. Ciao, ciao. Ariane me dit bonus dans FDA. Alors, si tu peux développer ta question pour que je comprenne mieux, s'il te plaît. Je souhaite une super formation pour me former. Merci. Alors, Marc, sache que je fais des packages, comme j'accompagne une personne là, où je fais tout inclus. Je vais chez la personne où on fait ça à distance, je crée le blog, j'installe l'autorépondeur et ça, c'est un gros package que je fais. Si après, en plus, il faut que j'accompagne sur la formation, je peux le faire aussi. Donc, j'ai vraiment l'habitude, tu n'es vraiment pas le premier retraité que j'accompagne sur tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas juste envie d'avoir un truc par-ci, par-là, clé en main, tu viens et c'est comme au restaurant, quoi. Tu ne viens pas avec ta serviette ou avec tes couverts. On ne donne pas juste une assiette ou juste le plat sur la table. Non, tu viens au restaurant, tu as tout de A à Z et je t'accompagne de A à Z. OK, entrée, plat, dessert. Bon, après, forcément, le menu entrée, plat, dessert coûte plus cher que si tu prends juste le plat du jour. Mais tu vois l'idée. Je te fais un truc à la carte
Voilà, je serais ravi de t'aider. J'ai même déjà ça en place. Envoie-moi un email. Vraiment, je veux vraiment te faire un truc personnalisé. Je serai ravi de t'aider. Fadler. Alors, Fadler aussi, non, mais Fadler, vous avez des clients, vous avez accès. Pourtant, je le dis, mais j'insiste pas. Tous les clients de Partir de rien, en bas de votre espace membre, il y a l'accès à feuille de route. Okay? Vous cliquez, vous y accédez tout de suite. Donc, voilà, je suis content de voir que vous êtes même prêt à l'acheter, mais c'est offert pour vous. Ça fait partie de votre formation. Pareil pour Yao, j'espère. Je vais vous renvoyer un lien pour vous expliquer encore. Salut Ariane. Dis-moi, je suis partant pour la formation en ligne, Déborah. Bah, écoute, je suis super content. Rejoins-nous solopreneur.fr/FDR. Je peux te dire que 95 euros, tu vas halluciner tout ce que tu vas avoir. Okay. Personne sur le web peut vous offrir 10% de ce que je vais vous offrir parce que justement en octobre, je réponds à toutes vos questions. Okay? Et j'espère, je vais peut-être même, je vais peut-être même regretter cette décision, mais j'ai pris l'engagement. Donc voilà, toutes vos questions, j'y répondrai. Véronique, ok, renvoie-moi l'email sinon si tu as peur que j'oublie. Voilà, après, moi je ne suis pas au niveau de Yann Darwin. Hein. Je n'ai pas le luxe de me payer une community manager, mais voilà, on peut toujours discuter. Okay. Et alors oui, bah, j'ai envie de dire, pour ceux qui ne s'inscrivent pas, le repas est ouvert aussi. Ça coûte 99 euros, bah, c'est juste dommage. Si vous prenez cette formation, vous avez moins de 30%. Mais voilà, j'ai des dates aussi. Je vous enverrai un email aussi. J'ai deux autres interventions en octobre. Je serai ravi de vous rencontrer aussi, du moins pour ceux qui sont à Paris. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, Véronique. Ciao, ciao tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui rejoignent la formation Feuille de route de l'infopreneur, j'ai hâte de vous retrouver dans le groupe Facebook et je ferai même des lives et peut-être des webinaires privés. On verra. Je promets rien, mais en tout cas, je réponds à vos questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao Adèle, Christelle, Chris, Daniel, Denis, Emma, Emmanuel, Véronique, Victor, Fadler, FTT, Marc, Maria, Senam, Slimane. Ciao. On se quitte en musique. On se quitte en musique. Je mets toujours la même chose. Ah, je vais essayer de changer. Ciao, ciao, Fadler. Profitez de la formation, hein, les membres de Partir de rien. Ciao, plus de questions pour l'instant, me dit Denis. Quand je serai prêt, je chercherai les plateformes de formation. Je connais un peu Udemy. Je sais que mon domaine web, je peux l'installer via la page des cours. Très bien, écoute, super, Denis. Plus important, c'est que tu passes à l'action, que tu me rejoignes sur feuille de route de l'infopreneur ou pas, peu importe. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que je peux t'amener à un résultat beaucoup plus rapidement que si tu étais tout seul. Mais le plus important, c'est que tu passes à l'action, en tout cas. Et les plateformes de formation, je vous ai mis le lien. Hein, je vais vous renvoyer ça par email. Donc, si tu vas sur solopreneur.fr/ressources, j'ai mis des liens. Voilà. Ciao les amis. À bientôt sur la formation feuille de route de l'infopreneur et au dîner peut-être ou au déjeuner. Ciao, ciao.